conseil communautaire. J'espère que tout le monde m'entend bien. Derrière, vous entendez pas? Ça y est. Tout le monde s'installe. Merci. S'il vous plaît, nous allons démarrer notre séance du conseil communautaire, puisqu'il est déjà 14h10. Voilà, merci. Avant de démarrer, d'ouvrir cette séance de manière officielle, je tenais donc à accueillir et je souhaite la bienvenue à M. Joseph Mattioli, qui est le nouveau conseiller communautaire de Péménade, élu suite à la démission de M. Gérard Delomèze. Voilà, M. Mattioli, bienvenue dans notre conseil communautaire. Avant de démarrer cette séance, je voudrais vous dire pourquoi je préside cette séance. C'est juste pour vous dire que notre cher président est souffrant. Et c'est vrai que par les temps qui courent, on passe tous un peu par là. Et que c'était plus raisonnable qu'il reste à la maison. Donc il m'a demandé d'assurer cette présidence et j'en suis honoré. Je suis très heureux, en tout cas, d'être parmi vous. Et on a une pensée pour lui. Qui est, je pense, au chaud, au fond de son lit, mais voilà, ça ne nous empêche pas de travailler, mais on le connaît, c'est avec déchirement qu'il n'est pas venu, parce que, je vais dire, presque très souffrant, il serait venu, mais les circonstances actuelles font que nous devons tous être prudents, et c'est ce qu'il fait, il montre le message, et voilà, l'exemple de savoir rester à la maison par les temps qui courent, si ça ne va pas. Mais avant de démarrer cette séance, donc il m'a demandé, et bien entendu, je m'associe à cet hommage, et c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris le décès d'Andreas Chieri dans la nuit du dimanche du 6 décembre. Et je tenais, avant l'ouverture de notre conseil communautaire, que nous lui rendions hommage. Tant Andreas Chieri est un maire qui a profondément marqué la vie locale, et ce, toutes générations confondues. Pendant plus de 40 ans, il a été le premier édile de la ville de Moinsartou, une figure à part de la vie politique locale, un maire profondément attaché à sa commune, élu maire en 1974, alors professeur de mathématiques, 7 élections successives au premier tour témoignent de sa popularité. Une longévité exceptionnelle, qu'il doit à ses convictions, à ses combats, à ses idées avant-gardistes. Enfant d'agriculteur, Andreas Chieri était avant tout un homme de terrain, à l'origine d'initiatives, modèle dans le domaine de l'environnement. Souvent, on le définit comme écologiste humaniste. Ses initiatives laissent un héritage solide dans sa commune, pour laquelle il s'est engagé pour la préserver et qui aujourd'hui est régulièrement cité en exemple de développement durable. Soucieux de toutes et tous, toutes générations confondues, Andreas Chieri était avant tout chose un humaniste connu et reconnu. La diversité et la vitalité de la vie associative mansoise en sont de beaux témoignages. Il a piloté de nombreux projets pour la commune et ses habitants, pour le bien vivre ensemble. Pour toujours plus de liens sociaux, pour créer un cœur de vie en cœur de ville, l'éducation, la culture, mais aussi le sport ont été les piliers de son parcours. La création du musée de l'art concret, le festival du livre, la Bastide du parfumeur, entrée en 2010 dans le giron de la communauté d'agglomération pour devenir les jardins du Musée international de la parfumerie, le conservatoire de plantes à parfum du Pays de Grasse, son parcours d'entraîneur de l'équipe de handball de Cannes, qu'il mène jusqu'en National 1, laisse un héritage colossal et inspirant. Député de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes de 1997 à 2002 et vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 2004
à 2015, André Askiri a mené de nombreux combats. Homme de conviction, il est à l'origine de la création du parc naturel régional des Préalpes d'Azur en 2010. L'un de ses combats les plus emblématiques restera son opposition au projet de doublement de l'autoroute A8 imaginé entre Vence et le moyen pays grassois durant les années 1990, la réouverture de la ligne SNCF Cannes-Grasse, relancée en mars 2005, constituera également l'une de ses plus grandes batailles. Et bien évidemment, en tant que vice-président, il a participé à la fondation et au développement de notre communauté d'agglomération, s'impliquant notamment dans la question complexe de l'évaluation des charges transférées. Il est également à l'origine du parc d'activité de l'Argile, qui est aujourd'hui l'un des principaux pôles économiques de notre territoire. Il a enfin engagé le projet de parking intermodal du château que nous inaugurerons prochainement. Sa proximité et la complicité sincère laissent un vide immense dans le cœur des personnes qui ont eu la chance, comme nous, de le connaître, et particulièrement les Mansoises et les Mansois. Saluons son constant dévouement. Nos pensées les plus émues et attristées se tournent vers son épouse, sa famille, ses amis, ses proches, avec une pensée particulière pour Pierre Askiri, son fils, qui nous accompagne dans nos assemblées avec autant d'engagement et de passion. Au nom de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, nous exprimons à André notre infini respect et notre sincère affection. Je vous invite à une minute de silence. Je vous remercie. Donc nous allons ouvrir cette séance. Donc je déclare la séance du 16 décembre 2021 ouverte, et afin de tenir compte et compte tenu des contraintes sanitaires, donc je vous demanderai, je vous remercierai de respecter le port du masque et bien porté. Voilà. Je vais juste annoncer donc les pouvoirs. Donc Aline Bourdère donne pouvoir à Claude Mascarelli, Henri Chiris à Philippe Sainte-Rose Franchine, Magali Coneza à Paul Eusière, Pauline Launay à moi-même, Christophe Martello à Marie-Louise Gourdon, Christophe Morel à Philippe Bonelli, Michel Paganin à Christian Ortega, Roland Rebaudy à Christiane Requiston et Florence Simon à Marc Combes. Donc nous allons désigner notre secrétaire de séance préféré en la personne de M. Philippe Bonelli, à qui je vais demander de procéder donc à l'appel. Voilà, pour vérifier le quorum, et ce quorum est à nouveau du tiers des conseillers en raison de la crise sanitaire. La parole est à vous, Monsieur Bonelli. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci. Monsieur Jérôme Viau. Madame Marie Amirati. Monsieur Ali Amran. Monsieur Pierre Askiri. Monsieur Marc Bazalgette. Monsieur Claude Bompard. Monsieur Philippe Bonelli, présent. Monsieur Pierre Bornet, Monsieur Gérard Bouchard, Madame Aline Bourdère, donnez pouvoir à Madame Claude Mascarelli, Dominique Bourret, Madame Catherine Buti, Monsieur Stéphane Cassarini, Monsieur Marino Cassé, Monsieur Raoul Castel, Monsieur Claude Sépi, Madame Marie Chabot, Madame Muriel Chabert. Monsieur Robert Novelli. Madame Nicole Nutini. Monsieur Ismaël Auger. Présent.
Madame Annie Augéromère. Monsieur Christian Ortega. Madame Michèle Paganel a donné pouvoir à Monsieur Christian Ortega. Monsieur Pascal Pellegrino. Monsieur Serge Percheron. Monsieur Roland Rebaudy a donné pouvoir à Madame Christiane Requiston. Madame Christiane Requiston. Monsieur Gilles Rondoni. Monsieur François Roustan. Monsieur Bernard Roux. Monsieur Philippe Sainte-Rose Franchine. Monsieur Ludovic Sanchez. Madame Catherine Seguin. Monsieur Claude Serra. Madame Florence Simon a donné pouvoir à Monsieur Marc Combes. Madame Martine Ubaldi. Monsieur David Varone. Monsieur Alain Hibert. Et Monsieur Christian Zédé. Que l'appel est fait, j'annonce un pouvoir de Monsieur Christophe Martello donné à Madame Gourdon, Marie-Louise Gourdon. Et Monsieur Mattioli qui est présent. Et Monsieur Mattioli, alors Mattioli, oui. Qu'il faut rajouter, qui est présent. Je vais le noter présent. Voilà, l'appel est fait, Monsieur le Président. Voilà. Merci. Et Maître Jérôme Viau, excusé. Hein. Voilà. Merci. Parfait, merci Monsieur Bonelli. L'appel est fait et le quorum est constaté. Donc nous allons pouvoir poursuivre notre conseil de communauté. Donc avec en premier point l'approbation du procès-verbal du conseil de communauté du 4 novembre 2021. Est-ce que ce procès-verbal appelle des remarques ? S'il n'appelle pas de remarques, je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous allons passer au point suivant qui concerne la communication des décisions prises par Monsieur le Président conformément à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc je vous invite à prendre acte de ces décisions étant précisé que le vote du Conseil de communauté n'est pas requis, mais je me tiens bien entendu à votre disposition pour fournir des renseignements complémentaires sur ces décisions, concernant les décisions du Président. Est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à ce que vous avez pu recevoir ? Pas de questionnements. Nous allons donc passer à la communication des décisions prises par Monsieur le Président au titre des marchés à procédure adaptée conformément à l'article L5211-10 du CGCT. Est-ce que ça appelle des remarques ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Zière. Ah, le micro, il manque un micro. Ah. Bon, ça va, merci. Non, c'est seulement sur un marché public sur lequel j'ai demandé des précisions, mais j'en ai une supplémentaire, c'est celle qui concerne l'eau et l'assainissement au boulevard de Rothschild et au boulevard Kennedy. Ce sont deux marchés assez importants, à Grasse, donc, et qui ne sont pas apparus dans la liste des marchés publics. J'aimerais savoir où ces deux marchés figurent. Ah, ils ne sont pas dans ces décisions-là, c'est ça ? Non, ni dans celle-là, ni dans celle, parce que j'ai vérifié, dans celle précédente. Donc j'aimerais savoir... Ah d'accord. Ouais, on me signale en fait que c'est un marché à bon de commande. Oui, mais qui a été signé à une date. Oui. Ah oui, ça fait. Oui, c'est pour ça qu'il apparaît pas là. Il a été signé, je pense, bien avant. Par grâce. Par grâce, mais. Oui, il a été transféré au moment. Avant le transfert de compétences sur l'aglo. Bon, mais j'aimerais avoir la date, ouais. Parce que bon, ça concerne la communauté d'aglo, puisque c'est le logo de la communauté d'aglo oui, qui apparaît. Oui, parce qu'après, ça a été transféré à l'aglo. Oui, donc, oui, c'est la loi NOTRe. C'est la loi NOTRe, d'accord. Mais nous. J'aimerais avoir la date du marché. Bon, on vous le transfère. Non, mais tu peux me dire tu. Hein oui, ça changera rien. Bon. Merci. On te le transmettra, voilà. Merci. Comme ça, tu auras la date de précis. Voilà, effectivement, de savoir quand est-ce que ça a été fait. Comme là, c'est le marché de banque. Oui, parce que il y a deux marchés, deux travaux qui, deux chantiers qui apparaissent. Mais on voit pas les marchés dessus. Et on voit communauté d'agglo et on voit pas les dates. Donc, merci. Parfait, Monsieur le Président. Donc, on passe aux communications des décisions prises par le bureau communautaire conformément au même article L52-11-10 du CGCT. Donc, est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? Pas de remarques particulières, donc pas de questions. On poursuit. Avant de démarrer la première délibération,
Je vous signale donc qu'une délibération transfert de la compétence eau et assainissement régie des eaux du canal Bertrude a été ajoutée en urgence à l'ordre du jour de ce Conseil. En accord avec les services de l'État et suite à une réunion organisée en urgence le vendredi 14 décembre dernier, il est apparu important que cette délibération puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ceci afin d'assurer la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement dans les communes du Moyen et Haut Pays, comme on avait notre séance qui était déjà actée. C'était dommage de vous réunir avant la fin de l'année que pour cette délibération. Voilà, c'est une information. J'espère que ça ne perturbe personne. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Donc, nous démarrons avec la délibération 215, donc, qui concerne la nouvelle désignation d'une ou un représentant au syndicat mixte de la gestion du parc naturel régional du Verdon. Donc, lors du dernier conseil communautaire, il a été procédé à la désignation de nouveaux représentants au sein du syndicat et organismes extérieurs. Un conseiller municipal de la commune de Val-de-Roure a été désigné pour représenter notre agglomération au sein du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon. Or, ce dernier siège déjà au sein de ce même syndicat en sa qualité de représentant de la commune de Val-de-Roure. Donc, il ne peut pas occuper les deux sièges. Donc, il convient de désigner un nouveau représentant ou une nouvelle représentante. Et donc, on voulait vous proposer une personne de Val-de-Roure, parce qu'il me semblait logique de remplacer ce siège par une personne de Val-de-Roure, en la personne de Nicolas Fiolic. Mais ça ne nous empêche pas de porter une autre candidature. Est-ce qu'il y a un autre candidat pour ce siège au parc naturel régional du Verdon? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose donc la candidature de M. Nicolas Fiolic et je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Donc, M. Fiolic nous représentera donc au sein du parc naturel régional du Verdon. M. le maire, cher Roger, on pourra lui transmettre. Nous passons à la délibération 216 pour la mise à jour des commissions thématiques. Donc, il vous est proposé d'actualiser la composition des commissions thématiques suite à des évolutions depuis leur création, puisqu'effectivement, il y a eu des changements, des démissions, des petits bouleversements dans notre communauté, hein, dans le sens où ça bouge un peu, et on le fait régulièrement. On revérifie l'ensemble de la composition des commissions. Donc c'est un travail que nous avons mené en bureau des maires pour que les maires puissent faire remonter leurs représentants, mettre à jour leurs représentants dans les différentes commissions. Je pense que vous avez eu une liste de ces nouveaux représentants dans les commissions. Est-ce que ça appelle des remarques? Oui, Gilles. Oui, Monsieur le Vice-président, l'utilité, comme vous l'avez dit, de ces commissions thématiques qui sont là pour favoriser la mise en place de la politique sur la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, et c'est important que le maximum de communes soient représentées dans l'ensemble des commissions pour qu'on puisse amener en délibération, en projet de délibération, eh bien, quelque chose qui est partagé par l'ensemble des communes avec les différentes visions qui composent ces thématiques. C'est très très important que ces commissions puissent avoir davantage de plébiscites qu'aujourd'hui. Exactement, c'était bien de le rajouter, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on en perd un peu en route, hein, on va dire ça comme ça. Donc il ne faudra pas hésiter de reprocéder peut-être à des petits changements si besoin. Pas d'autres remarques? Nous allons pouvoir procéder au vote pour installer tout le monde dans les commissions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 217 qui concerne le budget primitif 2022 pour les autorisations de mandatement en section d'investissement. Pour l'autorisation de mandatement dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, ce sont les délibérations que nous allons passer pour les différents budgets habituels en fin d'année pour pouvoir fonctionner correctement en début d'année. Est-ce que ça appelle des remarques? Oui, Monsieur le Président. Une explication de vote. On vote toujours contre. Oui. On a voté contre le budget primitif 2021.
Et là, c'est la reconduite du quart du budget. Quart, voilà. Oui. Donc, on est logique avec nous-mêmes, on vote contre. Vous êtes cohérent avec ce que vous avez exprimé en commission des finances. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, effectivement? Deux votes contre, M. Zier et Mme Conesa. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Même délibération pour l'autorisation de mandatement dans la limite du quart des crédits ouverts pour le budget annexe eau potable 2022. Abstention. Deux abstentions, M. Zier et Mme Conesa. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Là, c'est abstention. Sur l'eau potable 2022, c'est abstention. Deux abstentions. Nous passons au budget annexe assainissement 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux abstentions, Monsieur Zier et Madame Conesa. Il y a le diapo qu'il faut faire avancer, le diaporama, puisque là nous sommes à la 2020. Sur le budget annexe SPANC 2022, exactement la même chose, pour le mandatement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y a pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux abstentions, M. Eusière et Mme Conesa. Nous passons maintenant à la délibération 221. Pour le tarif des différents services des produits à facturer regroupés en un document unique, le recueil des tarifs 2022. Donc, comme chaque année, donc, il convient d'adopter par délibération les tarifs pour l'année suivante qui sont regroupés au sein de ce recueil de tarifs. Les principales modifications, je vous en listais quelques-unes, sont pour la jeunesse et sport l'ajout du CLSH Saint-Césaire avec le tarif ado le mercredi au taux d'effort à 0,50% avec un mini de 2,50 € et un maxi de 12 €. Pour la petite enfance, l'actualisation en 2022 des tarifs et taux d'effort selon la CNAF. L'aide à domicile, des tarifs d'aide à domicile à 23 € contre 21,10 € en 2021. Les déplacements à 0,40 € contre 0,30 € en 2021, le portage des repas qui passe à 7,90 € contre 7,65 € en 2021. Pour la salle de la Roquette, la révision des tarifs avec les associations du territoire, avec l'entrée du public gratuite, 300 € par jour contre 166,66 € hors taxe en 2021. S'il y a des entrées payantes, 550 €. Les changements des tarifs horaires également, qui passent de 41,67 € contre 25 € si les entrées sont gratuites et 75 € si les entrées sont payantes. Les nouveaux tarifs pour l'ouverture de la salle du OPI sur la belle commune de Val-de-Roure. Avec donc les tarifs, si l'entrée est gratuite à 125 € hors taxe la journée, si elles sont payantes à 250 € la journée, les associations sportives à 3,33 € hors taxe de l'heure et 25 € par mois, les entreprises 750 € la journée, on espère qu'il y en a qui vont venir pour amortir un peu les coûts de fonctionnement. Après la partie privée, mariage, baptême, où on s'est posé quelques questions en finance, mais bon, on y répondra, où il y a des différences de tarifs entre les mariages et les baptêmes, mais on suppose que les mariages, il y a plus d'activités en soirée, etc. Donc c'est ce qui a été retourné, mais bon, on en reparlera aussi. Compagnie d'artistes, si les entrées sont gratuites, la gratuité, si elles sont payantes, 250 € par jour. Il y a le MIP avec les entrées à 6 € toute l'année, plus ajout de l'auditorium pour le MIP en fonction et le nombre de personnes. Voilà en gros les éléments de tarifs que vous avez pu voir, ce qui vous avait été envoyé. Donc je ne sais pas si ça appelle des questions particulières. S'il n'y a pas de questions particulières, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Les tarifs, le recueil des tarifs qui a un peu évolué a été adopté. Nous passons à la délibération 222 avec l'avance sur subvention aux associations. Cette délibération pour laquelle je ne prendrai pas part au vote, et il faudra nous dire ceux qui sont dans le conseil d'administration de ces associations de nous rappeler pour qu'ils ne prennent pas part au vote. Donc, comme vous savez, notre communauté d'agglomération souhaite verser une avance sur subvention aux associations pour leur permettre de démarrer
leur action dès le début de l'année en tenant compte de leurs besoins en trésorerie, parce que s'ils attendent le vote de notre budget, ça peut les mettre en difficulté, parce que derrière, il y a aussi des salariés. Donc, vous avez la liste des associations, donc pour un total de 1 251 500 euros. Pour ma part, je ne pourrai pas prendre part au vote, puisque je fais partie du conseil d'administration de l'Office du tourisme. Moi non plus. Alors, dites-nous, on va noter. Si vous pouvez juste donner les noms. Oui. Alors, à Casas Marino pour Montagnabi. Dominique Bourré pour le théâtre. Et la SIC, Piste d'Azur. Philippe Saint-Rose en Chine pour l'Office du tourisme. Parfait. Madame Seguin. Oui, pour Tetris. Pour Tetris. Gérard Bouchard, Montagnabi. Christian Zédé pour l'Office du tourisme. On a fait le tour. Donc on ne prend pas part au, ces personnes-là ne prennent pas part au vote sur la délibération, puisque l'ensemble des associations sont listées. C'est pas, on ne fait pas de délibération à part. Pas de questions avant que je puisse procéder au vote. C'est la délibération qu'on passe chaque année. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui est la délibération 223. Qui concerne votre, donc, le budget principal 2021 avec la décision modificative numéro 2. Il vous est proposé de modifier la section d'investissement afin d'ouvrir des crédits en dépenses et recettes pour les opérations de DMO suivantes, donc la rénovation de l'éclairage public pour la commune de Cabris pour 264 000 euros, le gîte pastoral des Mujoules phase 2 pour 50 000 euros et pour l'habitat dans le cadre de la convention de délégation des aides à la pierre pour le parc privé d'un complément de 500 000 euros. De prévoir les crédits d'apurement du compte 1069 pour 109 153 euros dans le cadre de la nouvelle nomenclature comptable M57 applicable au 1er janvier 2024. De prévoir les écritures d'ordre d'intégration de travaux du parking multimodal de Moinsartou pour un montant de 6 268 100 euros. Ces écritures sont neutres en dépenses et en recettes sans décaissement, d'ouvrir des crédits en dépenses et recettes d'ordre de régularisation des dotations aux amortissements 2021 pour 6 727 euros, de régulariser des écritures comptables pour l'inventaire d'un montant de 57 600 euros en dépenses et en recettes, d'ajuster en dépenses et recettes le montant de l'emprunt affecté à la DMO Campus étudiant pour 457 000 euros, de prévoir les crédits nécessaires au chapitre 21 pour le mobilier du campus étudiant pour 225 000 euros. Il vous est aussi proposé, donc en section de fonctionnement, de prévoir d'ouvrir des crédits en dépenses et recettes de régularisation des dotations aux amortissements 2021 pour 6 727 euros. Il vous est donc proposé de voter la présente décision modificative numéro 2, équilibrée tant en recettes qu'en dépenses pour des sections de fonctionnement et d'investissement. Est-ce que ça appelle des remarques de votre côté, sachant que nous avons eu un avis favorable de la commission des finances en date du 8 décembre 2021. Si ça n'appelle pas de remarques, je vais pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Deux votes contre, Monsieur Uzier, Madame Coneza. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Nous passons donc à la 224. Pour la dotation régissillage, la communauté d'agglomération du Pays de Grâce a fait l'acquisition d'un lot de 15 véhicules électriques cofinancés à hauteur de 80% par l'ADEME. Aussi, pour son exploitation, il était convenu de doter la régissillage d'un véhicule pour son pool. Et donc, à chaque fois qu'un bien est utilisé par la régie, il convient de doter la régie de ce bien. Il convient donc de modifier la dotation initiale par une dotation complémentaire, à savoir un véhicule électrique acquis par la CAPG et utilisé par la régie sillage. Est-ce que ça appelle des remarques? Pas de remarques particulières. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie.
Nous passons donc à la délibération 225 pour les tarifs 2022 de la redevance spéciale pour la collecte des déchets non ménagers. En l'absence de l'application d'une redevance générale, il convient de créer une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets non ménagers. Il vous est donc proposé d'ajuster les tarifs 2022 en fonction du coût des services. Ce coût des services a énormément évolué, puisque ce qui vous est proposé comme tarif, c'est une évolution de entre 7 et 10% de ce service. Donc ça a fait l'objet de débats aussi en commission des finances et d'explications. Les coûts évoluent, on est obligé de répercuter ces coûts sur cette redevance spéciale. Est-ce que ça appelle des remarques particulières, Monsieur Heuzière ? Oui, cette délibération, à la lecture de la note de synthèse, elle a deux objectifs. Un, créer une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets non ménagers. Et oui. Deux, d'ajuster les tarifs 2022 en fonction du coût de service. Alors, une première remarque, on ne retrouve pas ces deux objets dans les décisions mentionnées en fin de délibération. Il n'en reste qu'un, c'est l'ajustement des tarifs 2022. Il n'y a pas la création d'une nouvelle taxe, d'une redevance spéciale. Non, elle y était, en fait. Elle est annoncée dans la synthèse et elle n'est plus dans les décisions. Oui, c'est vrai qu'elle est annoncée dans la synthèse. Ouais. Et autant savoir ce qu'on décide, parce que c'est quand même l'essentiel. Après avoir délibéré et procédé au vote, le conseil de communauté décide. Bon, donc on ne fixe pas simplement la redevance, on crée une redevance spéciale. Ça, c'est le premier point. En fait, tous les ans, on recrée la redevance. Mais alors, autant le marquer, voilà. Bon. Oui, on peut ça, la... Voilà. La deuxième remarque, c'est que, qui est plus importante, hein, mais enfin bon. Cette redevance, parce que l'on fixe les tarifs, on peut dire, bon, on voit que... Ouais, mais comment ça fixe, ça figure de manière explicite dans les décisions du Conseil d'Agglo. La deuxième remarque, c'est que cette redevance qui porte sur les déchets non ménagers concerne 2000 bacs, d'après ce qu'on a dit en commission, et elle va surtout impacter les petites entreprises de notre agglomération. Or, l'ajustement, c'est-à-dire la hausse de cette taxe en application du contrat avec Veolia, si j'ai bien compris, est fonction non seulement de la hausse du coût de la vie calculée par l'INSEE, mais de considérants multiples qui ont été évoqués en commission des finances et dont certains sont plutôt peu clairs, en tout cas pour moi. Donc, Veolia impute à la communauté d'agglomération une augmentation de 5% des frais de collecte et pour les entreprises concernées, l'augmentation de la taxe sera entre 7 et, bon, maintenant tu as dit 10, c'est ou 13, oui. 13%. Bon, ce qui est en tout cas... que ce soit 10 ou 13, c'est beaucoup plus que le montant de l'inflation constatée. Alors, tout cela n'est pas très clair. Et accepter de telles hausses en fonction de contrats ou d'avenants passés avec des entreprises qui ont l'art et la manière de produire des modes de révision des tarifs souvent incompréhensibles ne peut pas nous satisfaire. Nous pensons qu'il doit y avoir une totale lisibilité des modes de calcul des tarifs. Et nous souhaiterions donc qu'à l'instar de ce qui a été fait pour la régie des transports sillage, la communauté d'agglomération fasse réaliser par un bureau conseil indépendant un audit sur les contrats et avenants avec Veolia, de comprendre. Voilà. Et une dernière remarque, des hausses de 7 à 13% imposées aux entreprises pour l'enlèvement des déchets non ménagers, ça nous paraît, que cela plaise ou non, de nature à nourrir des dépôts sauvages de déchets qui sont un fléau dans notre département. Voilà. Alors, pour répondre à la question d'une société pour reprendre l'ensemble des contrats, on est en train de repartir sur un nouveau contrat. Donc, on a une assistance, à maîtrise d'ouvrage qui est là pour nous aider à la refonte complète de notre marché. Et effectivement, l'impact que peut avoir d'une année sur l'autre, dans le cas du marché, une augmentation. Là, il y a une double augmentation. Il y a la partie collecte, mais aussi la partie traitement. Et malheureusement, derrière la partie traitement, il y a la même société qui fonctionne de la même manière. Donc, on a des coûts qui sont plus importants. Et le travail que nous sommes en train d'effectuer, effectivement, sur le nouveau marché, qui devrait nous permettre de passer sur ce nouveau marché. Ça sera pour 1er janvier 2022. Et d'ici là, des travaux sont engagés avec les élus, notamment, que je remercie, pour la constitution du cahier des charges,
pour justement, effectivement, exactement ce que vous disiez ou ce que tu disais, d'être beaucoup plus, de pouvoir beaucoup plus se serrer ces niveaux d'augmentation d'une année à l'autre. Et notamment l'inquiétude des dépôts sauvages, c'est pas trop ça, c'est que là, au fait, l'augmentation aussi des tarifs, ça permet, aux usagers de mieux trier. Parce que les coûts sont différents selon si on met dans la poubelle grise ou si on met dans la poubelle à carton ou dans la poubelle jaune. Donc c'est aussi une incitation à mieux trier pour justement produire moins de déchets qui sont plus coûteux quand ils sont dans la poubelle grise. Voilà les réponses que je pouvais vous apporter. Donc, pour bien comprendre, il y a un audit qui est en cours. Alors ce n'est pas une forme d'audit, c'est-à-dire que là, comme on revoit un nouveau marché, on fait quand même une révision du marché qu'on a actuellement pour s'améliorer, en fait. Mais est-ce que c'est une révision critique ? Ah, ben oui, parce que quand on a vu les coûts, quand même, d'augmentation au niveau des... Voilà. Parce qu'un audit révélerait peut-être des anomalies utiles à corriger pour la préparation d'un cahier des charges. On a quand même maintenant, si je puis dire, au sein des services... puisqu'il nous avait déjà alerté, en la personne de Julien Jamais, qui est responsable de ce service, déjà, il nous avait fait remarquer les différentes incidences de l'ancien marché, du marché actuel. Donc là, c'est vraiment un esprit critique de l'ensemble des élus. Je les vois, puisqu'on a quand même la collecte des biodéchets, qu'on voudrait quand même rendre plus performante. Et savoir dans quelles les difficultés. Est-ce qu'on pourra disposer de ces éléments ? Oui, aucun problème. Je pense qu'avant le marché, moi je fais des commissions, je suis président de la commission des déchets. Vous êtes, en tout cas, tout le monde est les bienvenus. Je n'ai jamais refusé personne en commission. Et je pense que c'est intéressant d'avoir, plus on est autour de la table, et mieux ça sera, je pense, pour prendre au final les meilleures décisions. J'en ai aucun problème. Voilà, on le note. Et puis, si on peut se faire une petite réunion, justement, une fois qu'on aura... un cahier des charges bien en place. Oui, monsieur Combe, oui, Marc, mon cher Marc. Oui, on est en train de travailler on a fait qu'une seule réunion pour l'instant, dans un comité technique sur lequel il y a bien sûr tous les membres d'administration compétents et quelques élus qui sont issus de la commission de déchets, pour réfléchir aux différentes pistes possibles pour lancer la nouvelle opération derrière, avec tous les cas de figure possibles pour réduire les coûts. L'objectif de ne pas augmenter les coûts, en tout cas. Exactement. Et donc de voir quelles sont toutes les modalités, soit pour le tri des déchets sélectifs, pour les déchets alimentaires, bien entendu, et puis pour diminuer les ordures ménagères tout court. Voilà, donc effectivement, on n'a fait qu'une réunion de travail pour l'instant, et je pense qu'effectivement, à terme, on aura des éléments accompagnés par un bureau d'études, puisque le nouveau marché doit rentrer en conséquence de début de l'été. Voilà. Parfait. Oui, Valérie. Oui, je te remercie. Je crois que c'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises tous les deux. Et là, je tenais juste à ce que ce soit bien pris en compte. Il y a une vraie, véritable problématique de facturation qui est déjà qui est d'actualité, puisqu'on paye le dépôt des déchets par avance. Donc on fait des acomptes. Et je le répète, c'est non pointable au niveau comptabilité, c'est très compliqué. Donc je pense que c'est un point qu'il faut avoir en vigilance, parce que c'est pas simplifier la vie des entreprises. Voilà, c'est juste une alerte, et éventuellement je peux te montrer tous les documents et comment ça se passe. Il faut vraiment simplifier, et déjà payer d'avance, c'est un petit peu gênant. Voilà. Oui, je suis parfaitement au courant. Donc, c'est vrai que dans le cadre de notre réseau, on est en réseau avec la CASA, avec Univalon. J'en ai parlé avec le président, puisque c'est des décisions qui ont été prises dans le cadre du pôle métropolitain, Cap Azur. Et on est au courant qu'il faut qu'on revoie notre convention d'utilisation au niveau des déchets. Donc, oui, c'est un questionnement qui est remonté. Si je peux me permettre, en fait, il suffirait... Alors, j'imagine que ça a été mis en place parce que certaines entreprises ne payaient pas. Je suppose. En fait, ça a été mis en place. C'est pas compliqué. C'est qu'en fait, les déchetteries telles que vous les connaissez, ce ne sont pas des déchetteries qui sont à destination des entreprises. Et en fait, ce qui nous est opposé, c'est qu'en fait, on fait une concurrence. Puisque, du coup, les entreprises privées ne peuvent pas implanter leurs déchetteries
parce que nous accueillons, nous, à des tarifs beaucoup plus intéressants, des entreprises. Donc en fait, on nous pousse petit à petit à gêner, entre guillemets, l'arrivée des entreprises dans nos déchetteries pour que les entreprises privées puissent ouvrir des déchetteries à destination des entreprises. Oui, alors là, ce n'est pas entendable parce que sur le territoire, il n'y a rien qui est prévu alors, sur les déchetteries. Bah, alors je réponds, je vais jusqu'au bout. C'est qu'en fait, ça fonctionne maintenant un peu sur le bassin cannois parce que comme il y a eu le confinement, les déchetteries ont fermé. Donc les entreprises se sont orientées vers des entreprises privées sur le bassin cannois. Ça a très bien fonctionné parce que ces entreprises sont mieux accueillies, parce que c'est fait pour elles en fait. Mais par contre, le reste du réseau, nous n'avons pas de déchetterie professionnelle. Donc pour que ces déchetteries professionnelles puissent sortir, c'est le travail qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de satisfaire, des entreprises qui auraient la volonté de s'installer chez nous pour accueillir les déchets à destination des entreprises. Il faut savoir que dans d'autres collectivités, il y a carrément des déchetteries où ils mettent des portiques, où ils n'accueillent pas du tout les entreprises professionnelles. Ces déchetteries qui sont sorties sur notre territoire, elles sont sorties parce qu'il y avait zéro déchetterie et il fallait répondre, par rapport à l'intérêt général, à un réseau de déchetteries à destination des particuliers et en l'occurrence aussi des entreprises. Mais dans le cadre du schéma régional des déchets, on nous oppose le fait que nous assurons une concurrence déloyale, en fait. Les entreprises privées qui pourraient rendre ce service de déchetterie pour les professionnels ne s'installent pas parce qu'on rend un service qui est beaucoup plus attractif pour le moment. C'est la situation. Donc là, sur le bassin cannois, c'est en train de se renverser. Donc c'est bien parce que du coup, avec le confinement, des entreprises privées ont pu assurer cet exutoire pour les professionnels au niveau des déchetteries. Donc il y a beaucoup moins de professionnels qui vont sur la déchetterie de Canoise, en fait. On l'a constaté. Mais après, nous, sur notre secteur, il n'y a pas de déchetterie pro. Donc il faut soit faire comme le fait la Univalum, ils sont en train de le faire sur Antibes, ils créent une déchetterie à destination des professionnels. Donc à nous de penser si on peut petit à petit évoluer dans ce sens-là. Voilà les réponses que je pouvais t'apporter, Valérie. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est un sujet région. Hein, exactement. Et que, entre autres, dans les métiers du bâtiment que je représente, c'est un vrai sujet problème. Dramatique. Un vrai sujet, ouais. Oui. Merci. Mais on va maintenant dans d'autres directions aussi, même dans les métiers du bâtiment. C'est-à-dire maintenant, on ne démolit plus, on déconstruit. Oui, mais enfin, on ne va pas faire le débat ici, je pourrais t'en parler. Mais il faut des espaces aussi pour pouvoir stocker. C'est toujours une histoire de lieu, les déchets. C'est où est-ce qu'on les met ? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce qu'on peut passer au vote de cette délibération ? Si vous en rappelez plus, ça concerne la redevance spéciale. Est-ce qu'il y a des votes contre ? De votes contre, le président Ozier et Mme Conesa. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstentions, je vous remercie. Nous passons à la délibération 226. Pour la modification des attributions de compensation, donc il vous est proposé de prendre connaissance et d'adopter le rapport de synthèse des travaux de la commission locale d'évaluation des charges transférées présidée par Pierre Aschieri, notre cher collègue, concernant les compétences tourisme et GPU. Pour tenir compte de ces modifications de transfert de compétences, il est proposé de modifier la répartition des attributions de compensation à compter de 2022 et de prévoir une régularisation pour l'exercice 2021. Vous avez le tableau récapitulatif avec les communes, avec les attributions de compensation pour l'année 2021, la régularisation des montants des AC pour l'année 2021, le montant des AC pour l'année 2022 et le montant des attributions de compensation pour l'année 2023 et suivante. Est-ce que ça appelle des remarques ? Oui, monsieur. Oui, Christian. Oui, notamment pour la GPU, on était resté d'accord au bureau des maires que c'était 3 euros la première année. Et qu'on se serait 1 euro après, sauf s'il y avait une décision contraire ou d'autres études. Et là, on a mis 3 et 3. Ah bon ? On a déjà prévu en 2023 les 3 euros par habitant. On était resté sur 3 euros en 2022, 1 euro de fonds de roulement et 2 euros pour les études. Ouais. Et après, on verrait, au cours d'année 2022, si on restait à 1 euro ou si on bougeait. Et là, il y a 3 euros 2022 et 3 euros 2023. Ah, c'est pour l'année 2023, en fait. Oui, le problème, c'est l'année 2023. Voilà.
L'année 2022, on était tous d'accord sur 3 euros. 2023, nous, on n'avait pas fixé 3 euros. On avait dit c'est 1 euro plus, on verrait s'il faut rajouter. Mais là, c'est déjà marqué 3 euros. Alors ce matin, ça a été relevé en réunion de bureau ? Non, moi j'ai eu la réponse ce matin à ma question que j'ai posée. D'accord. C'était par précaution qu'il a été mis 3 euros 2023, mais ce n'est pas ce qui a été décidé au bureau. Bah écoutez, il faudra refaire une collecte pour l'année 2023. Hein ? De toute façon, il y en a une chaque année. Donc oui, oui. Il faut. On est d'accord sur 3 euros en 2022 pour GPU, mais pas du tout en 2023. Oui, on va voter que 2022. Ça sera voilà, c'est simple. Ça. On va enlever hein, d'approuver les modifications et réparations sur les engagements positifs et négatifs pour l'exercice 2022 et 2023, on l'enlève. Oui, parfait. Après, on sera peut-être amené de voter 3 euros. Et selon le tableau ci-dessus, on enlève 2023, la colonne 2023. OK, merci. D'accord ? Oui, merci. Oui, normalement, c'est... De toute façon, on se revoit chaque année, oui. Donc effectivement... Est-ce que ça appelle d'autres marques ? Profitez-en. Non, simplement, je voulais dire qu'il y a une clause de revoyure oui. Tous les ans. C'est ce qui oui, oui, il y a une clause de revoyure, mais là, comme ça gênait quand même de voter sur 2023, alors que bon, même si on sait qu'on le revoit, c'est plus clair. Est-ce que ça ne pose pas un problème ? Parce que nous, au niveau communal, nous avons voté une délibération telle qu'elle se présente ici. Non, je ne pense pas. Non, je pense pas que ça fasse de sacrées problématiques. Puisque comme il y a une revoyure, comme disait Marc, on a une revoyure en 2022, donc on va revoter en commune une prochaine collecte. Est-ce que ça appelle des remarques ? Oui. Oui, en réponse aux collègues, il suffira de reprendre une délibération sur la base de l'actuelle délibération du Conseil communautaire pour recadrer sur 2022. D'accord, oui. On fera repasser ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? S'il n'y a pas de remarques, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 227. Qui concerne donc le budget principal 2021 pour le M57 à purement du compte 1069, on en a parlé. Donc en vue du changement de la nomenclature comptable de notre agglomération M57 prévu le 1er janvier 2024, il vous est proposé d'apurer le compte 1069 avec une reprise 1997 sur les excédents capitalisés, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits. Donc, cette délibération vous demande d'approuver l'apurement du compte 2010, voilà ce que je viens de vous dire, hein, 1069, reprise 1997 sur les excédents capitalisés, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits par un mandat d'ordre mixte pour un montant de 109 152,65 € en contrepartie d'un prélèvement sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Oui, celle d'avant, elle a été votée. Oui, oui. Les AC a été voté. Oui. À l'unanimité, oui. Oui. Et là, on est à la 227 et on allait voter donc cet apurement du compte 1069. Est-ce qu'il y a des votes contre ? C'est technique. Est-ce qu'il y a pas de vote contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention. La 227 est votée aussi à l'unanimité. Nous passons à la 228 qui concerne donc l'avance remboursable pour le versement de transport dans le cadre de la crise sanitaire. Notre agglomération a bénéficié en janvier 2021 de la part de l'État d'une avance remboursable sur recette de versement mobilité de 1 175 319 €. Cette avance est assimilée à un emprunt remboursable en recette d'investissement. Et l'État a prévu un mécanisme d'imputation de cette recette en section de fonctionnement, conformément à la destination du versement mobilité, puisque c'est en fonctionnement dont on en a besoin, mais ils l'ont versé en investissement. Il convient donc d'autoriser, conformément à l'article 10 de la loi 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances
rectificative pour 2020, la reprise en section de fonctionnement de la recette d'investissement liée à l'octroi de l'avance remboursable, soit un montant de 1 175 319 euros. Donc on l'a reçu sur la section d'investissement et on l'a fait remonter sur la section de fonctionnement. On est en étant plus clair. Est-ce qu'il y a des... On peut passer au vote. Pas de remarques particulières. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstentions. Je vous remercie. Et nous passons à la délibération 229. Et donc, je vais passer la parole à notre chère vice-présidente, Marie-Louise Gourdon. Je vais pouvoir prendre un bonbon. Donc, merci, monsieur le président de séance. Alors, chers collègues, là, il s'agit de trois délibérations concernant l'habitat. Donc, vous vous souvenez que nous avons pris la compétence aide à la pierre au 1er janvier 2021 dans le but de mieux gérer, de mieux maîtriser et d'avoir la main sur l'ensemble de nos programmes et de nos projets de logement sur l'ensemble du territoire. Donc, les services habitat et logement ont été fusionnés, en quelque sorte, avec sous la direction de Claire Bandénabel. Voilà, nous avons depuis beaucoup travaillé. Nous sommes au milieu de notre troisième PLH. Nous avons installé la CLA, Commission locale d'amélioration de l'habitat, dans l'année. Nous commençons à mettre en œuvre la CIL, la Conférence intercommunale du logement. C'est beaucoup de choses, hein, mais tout ça est nécessaire. Donc, la Conférence intercommunale du logement a pour but de mettre en place la réforme des modalités d'attribution des logements sociaux. Donc, c'est très important, sur la base de la mixité sociale, de l'équité et de la transparence. Voilà, ce sont les trois principes qui nous guident. Cette aide à la pierre nous permet d'attribuer nous-mêmes les aides financières qui étaient habituellement attribuées par l'État aux bailleurs sociaux pour financer, pour cofinancer, en tout cas, leurs projets de logements sociaux. Donc, il y a à la fois la gestion de ces aides d'État qui passent par nous et de nos propres subsides, de nos propres ressources, de notre financement propre, qui est notamment le retour dans nos caisses de l'agglo, à cette intention, des pénalités, hein, de non-création du nombre de logements suffisants, ce qui s'élève quand même cette année aux alentours de 800 000 euros, qui reviennent et que nous pouvons donc réinjecter dans les programmes proposés par les bailleurs. Alors, je vous ai fait cette introduction parce que, justement, nous avons aujourd'hui là deux premières délibérations qui mettent en œuvre, justement, ce financement. Donc, c'est nous qui attribuons à l'agglo des sommes. Nous avons, vous vous rappelez que nous avons déjà délibéré sur des montants. C'est la première année. On va voir à l'usage si tout est bien, si tout va bien. Donc, on avait délibéré. Vous avez dans la délibération les montants. 3500 euros par logement en PLUS ou en PLAI. 5000 euros par logement financé en PLAI adapté. Et 5000 euros par logement financé PLUS-PLAI en acquisition-amélioration. Vous voyez, il y avait déjà plusieurs formules. Qui nous permettent d'avoir aussi des attributions supplémentaires. Alors, jusqu'à présent, avec la garantie d'emprunt que nous faisions, nous avions 20% des logements qui revenaient sur notre territoire, que nous pouvions attribuer nous-mêmes, en plus de l'État, des patronats, etc., des entreprises. Et là, nous avons encore un pourcentage de logements réservé par rapport en face de cette contribution financière. Voilà, je vous refais un petit peu la méthode, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors ici, il s'agit d'une opération d'acquisition en VEFA de 12 logements sociaux. C'est programmé par l'OGIREM, c'est la résidence Athéna à Grasse. Donc, on vous demande d'attribuer une subvention de 42 000 euros pour ces 12 logements. Donc, ça correspond au montant que je vous ai donné par logement. Et la signature d'une convention de financement. Voilà, avec un logement réservé dans le cadre de ce programme, ce qui nous fera 3 logements réservés à l'agglo pour ce programme. Voilà, Monsieur le Président. Parfait, merci. Est-ce que vous avez des remarques ou des questionnements concernant cette délibération? Voilà, c'était bien de préciser cet élément. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstentions. Donc, à l'unanimité, nous passons à la délibération 230. Et je vous laisse la parole. Donc, on est dans la lignée. Il s'agit ici d'une opération d'acquisition en VEFA encore de 12 logements aussi.
est programmée par l'ESH Batigère à Péménade, c'est la résidence et la closerie. Donc, de la même façon, l'attribution d'une subvention de 35 000 euros, 12 logements, avenue Mirabeau, en contrepartie d'un logement réservé dans ce programme. Toujours des PLES, PLAI. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Adopté à l'unanimité. Nous passons à la délibération 231. Alors là, on revient sur une garantie d'emprunt complémentaire. En fait, ces programmes sont déjà passés, ils ont déjà été, ils sont déjà financés, on a déjà garanti. On a déjà fait la première garantie, sauf que les chantiers ont été interrompus par le Covid. Et il s'agit ici de reprendre le chantier. Il y a une augmentation de 350 000 euros sur le prêt initial. Donc, il s'agit de Villogia qui nous demande de garantir cet emprunt supplémentaire destiné à accompagner la reprise des chantiers. Ça concerne 100 logements sur Grasse. Vous avez le détail dans la délibération, situé rue de Cannes à Grasse, c'est la résidence Rosalie Parc, l'îlot Nègre, l'îlot Sainte-Marthe et le Petit Paris aussi. Voilà, voilà donc c'est une garantie d'emprunt complémentaire. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la délibération. Merci beaucoup, Marie-Louise. Nous passons à la délibération 232. Et donc, je vais céder la parole à notre cher vice-président, cher Christian Ortega, pour cette délibération concernant le développement économique. Monsieur le vice-président, merci. Les deux communes de Grasse et du Tigné sollicitent l'avis de la communauté d'agglomération du pays de Grasse concernant la suppression du repos dominical selon le calendrier 2022 exposé dans la précédente délibération. Il est donc proposé au Conseil communautaire de rendre son avis sur ces deux demandes d'autorisation d'ouverture dominicale des commerces exposés. Vous avez sur cette délibération toutes les précisions données par nos collègues Dutigné et de Grasse. Est-ce que vous avez des remarques sur cette demande ? Pas de questionnement, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstentions. Je vous remercie, cette délibération était votée à l'unanimité. Merci beaucoup, cher Christian. Et nous passons à la délibération 233 qui concerne donc les études et travaux réalisés par la Commission consultative des services publics locaux pour l'année 2020. Donc la CCSPL a notamment pour fonction d'examiner les rapports annuels établis par les délégataires de services publics et les rapports sur le prix et la qualité de services publics d'eau potable sur les services d'assainissement, de collecte et d'évacuation et de traitement des ordures ménagères. Elle est également consultée pour avis par le Conseil communautaire pour tout projet de lancement de délégation de services publics en application du CGCT. Le président de la Commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Donc vous avez reçu tous les éléments et les rapports d'activité qui ont été examinés par cette commission. Donc nous devons prendre acte des rapports d'activité 2020 de la commission consultative des services publics locaux. Est-ce que ça appelle des remarques? Oui, Paul. Oui, nous relevons dans cette délibération qui porte sur 8 rapports annuels des délégataires de services publics. Donc 8, c'est une délibération, il y a 8 rapports dedans. Le Code général des collectivités territoriales dispose que le président de la commission consultative des services publics locaux présente à l'Assemblée délibérante un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Donc, et c'est important, il ne s'agit pas seulement de présenter aux élus les rapports des délégataires qui produisent, on l'a vu, à peu près ce qu'ils ont envie et sont mal ou pas contrôlés, mais d'établir un rapport critique de l'exécutif sur la façon dont sont respectés ou pas les DSP et les contrats divers. Avons-nous un tel rapport? Donc un rapport sur les rapports.
C'est pas anodin. C'est pas anodin. Non, à l'évidence, on n'a pas ce rapport. Donc, est-ce que le groupe Grâce à tous chercherait une quelconque petite bête en demandant la simple application de la loi? Évidemment, non. Nous allons donner un seul exemple. Un seul qui concerne cette délibération et qui nous paraît très parlant. Cette délibération mentionne que la commission donc, consultative des services publics locaux a donné, a rendu un avis préalable à une procédure de délégation de services publics relatif aux services publics des transports urbains et scolaires à sillage. Très bien. La dite commission a-t-elle eu un jour, est-ce qu'elle a produit un seul jour, un rapport critique sur les rapports annuels d'exécution du contrat passé avec la société Transdev qui était titulaire et qui reste titulaire du marché jusqu'à présent? Évidemment, jamais. Or, qu'indique entre autres le rapport d'audit de la société Qualia Conseil en date de juillet 2021 ? Oui, Paul. Bon, alors, non, mais j'attends. Comme ça, on se... Voilà. Parce qu'il va falloir qu'elle se relève après. Donc, non, qu'indique entre autres le rapport d'audit de la société Qualia Conseil en date de juillet 2021? Eh bien, par exemple, que les auditeurs n'ont pas eu accès au compte de l'année 2017 de Transdev, qui est donc absente du rapport. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Transdev n'a pas communiqué les chiffres de cette année-là. Tout simplement. Ces comptes ont-ils été demandés un jour par la commission consultative des services publics locaux ou par l'agglomération qui a l'obligation de contrôler? Ben évidemment, non. Sinon, on les aurait. On est dans le cadre d'un marché. Oui, et alors ça change quoi? C'est c'est la commission consultative des services publics qui doit contrôler. Et elle n'a pas contrôlé. C'est ce que je veux dire. Et on va devant une DSP. Donc, je voudrais simplement terminer, parce que là, on parle, dans la délibération, on parle justement des transports. Donc, il y a pour le moins une absence de rigueur. Et j'ai fait un recensement des données fournies ou non fournies dans le compte rendu synthétique du seul rapport Transdev de 2019. Alors, je le livre à votre réflexion. Présentation du réseau de l'exploitant, 4 réponses sur 4, parfait. Données comptables, 3 sur 4, il en manque une. Analyse de la qualité du service, 3 sur 7, il en manque 4. Analyse des conditions d'exécution du service, pour le personnel, 4 sur 10, manque ou pose question 6. Sur le matériel, 5 sur 11, manque ou pose question 6. Offre kilométrique, 3 sur 11, manque ou pose question 8. Fréquentation du réseau, 2 sur 5. Manque ou pose question, 3. Gamme tarifaire, 0. Réponse sur 11. Manque ou pose question, 11. Donc le rapport d'audit note 39 points absents ou incorrects sur le compte rendu 2019 de Transdev. Question. Alors, on pourrait terminer l'intervention et puis après vous direz ce que vous avez à dire, parce que sinon vous n'arriverez pas au bout du raisonnement. Donc, question. Où était et qu'a fait la commission consultative des services publics locaux et où sont ces rapports? Sur tous les rapports. Sur tous les rapports. Parce qu'il n'y a pas de rapport du président de la commission consultative qui ait une distance avec les rapports des délégataires. Il n'y en a aucun. Et c'est ça qu'il faut. Nous, les élus, on n'a pas à avoir, à recevoir seulement un rapport des délégataires, on doit avoir un rapport critique de la commission de contrôle. Et ça, c'est... Donc, on prend acte, je rappelle, donc un rapport d'audit qui mentionne, pour une seule année, 39 points absents ou incorrects sur un compte rendu de marché public. Mais c'est pareil, c'est pareil. Donc on prend acte de la transmission des rapports des délégataires qui nous racontent ce qu'ils veulent, je le répète, et je crois que je viens d'en faire une démonstration à partir du contrat sillage Transdev, et de l'absence de tout rapport de la commission consultative des services publics locaux dont c'est la fonction première. Donc nous demandons que dès 2022, ces rapports de contrôle soient présentés au Conseil communautaire. C'est tout. C'est constructif. Et ça part des réalités.
Alors on peut me dire, c'est un marché public, c'est pas une DSP. Si vous voulez, on prend les rapports de DSP et on va vérifier la même chose. On va tomber sur les... On prend des cabinets d'audit, ils auditent et vous allez voir les failles qu'il y a. Parce qu'il y a une commission qui est chargée du suivi des délégations, et qui est la commission consultative des services publics locaux, qui doit établir un rapport. Voilà. Non, mais l'objectif est exactement ça. C'est-à-dire, oui. Normalement, la CCSPL est là pour examiner le rapport et ressortir des éléments critiques. Où, tout à fait, sur chaque là, rapport. Là, ce que tu as lu, il y a une partie, effectivement, qui ne convient pas. C'est pour ça qu'on passe à autre chose, justement. Parce qu'il y a ces grosses problématiques. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les rapports puissent être au moins remontés déjà en commission, hein, les commissions concernées, parce que je pense que c'est important. Oui, et que la commission de consultative des services publics fasse un rapport de synthèse. Qui doit être normalement le compte-rendu de la commission. Un rapport critique. Tout simplement. Oui, qui doit être fourni en introduction. Voilà, ouais. C'est tout. Moi, c'est que je ne vois pas d'objection. Merci. À ce qu'on puisse faire remonter le compte-rendu de la commission qui a fait l'examen. Parce que je sais que la plupart du temps, ce travail est fait vraiment de manière très, très précise par la commission. Et je pense que c'est important que, plutôt que ça remonte comme ça directement, que ça puisse être mis dans le cadre d'une commission et qu'on ait ce compte-rendu. Parce que normalement, on devrait débattre de celui-là de rapport. Oui, voilà. Aujourd'hui. Et avec un annexe... Ben c'est de valider le fait que CCSPL a examiné les rapports d'activité. Mais je fais une proposition. Voilà, qui est recevable. Merci. Est-ce que ça appelle des remarques? Pas de remarques. On peut procéder au vote? Oui. On prend acte, pardon. Oui, il n'y a pas de vote. C'est une prise d'acte. Mais c'est important qu'en commission, on puisse avoir les comptes rendus, effectivement, des CCSPL. Nous passons, si vous le voulez bien, à la délibération 234 qui concerne donc les marchés publics. Bon, pour la procédure formalisée avec négociation maîtrise d'œuvre pour la remise en état après désordre de l'espace culturel et sportif du Val de la Sienne, on en avait déjà parlé avec l'avenant numéro 1 au marché 2021-09. Donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant numéro 1 ayant pour objet de fixer le montant définitif des travaux arrêtés à la somme de 1 919 164 € hors taxes, ainsi que le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre suite à la remise de l'APD pour un montant définitif de rémunération de 95 958,20 €. Donc l'expertise de ces désordres est en notre faveur. Donc nous sommes en train d'essayer de trouver une solution de gré à gré. Sinon, il faudra partir en contentieux. Mais l'assurance doit couvrir ces travaux. Mais pour ne pas rester comme ça, on propose d'avancer de notre côté. Est-ce que ça appelle des remarques particulières? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas. Donc cette délibération est votée à l'unanimité. Nous passons à la 235. Pour la mutualisation des services, le renouvellement des conventions de mise à disposition de services communaux à la communauté d'agglomération pour l'exercice de sa compétence petite enfance et jeunesse. C'est une délibération que nous passons chaque année. Dans le cadre de cet exercice de la compétence jeunesse, les 10 communes ont mis à disposition une partie de leur service à nos propres services afin d'exercer cette compétence partiellement transférée. Des travaux d'harmonisation de certaines modalités sont en cours en concertation avec les communes concernées. C'est pourquoi, pour assurer une continuité de service, le remboursement des frais afférents aux communes, il vous est proposé de renouveler en l'état les conventions de mise à disposition de services avec ces 10 communes concernées, de travailler dans un deuxième temps et une harmonisation de certaines modalités d'organisation. Est-ce que vous en voyez un inconvénient ou est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Pas de remarques. On va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstentions. La 235 est votée à l'unanimité et nous passons à la délibération 236 et je cède la parole à Madame la vice-présidente Dominique Bourret. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit donc, dans le cadre de son programme de développement de l'éducation artistique et culturelle, la communauté d'agglomération du Pays Grasse souhaite soutenir la relance culturelle et accueillir la compagnie Art Vivave et l'artiste Cédric Gonnet en résidence de création
pour la vie artistique et culturelle des très jeunes enfants dans les crèches du Pays de Grâce. C'est un projet qui se déroulera sur 6 semaines, sur l'année scolaire en cours, pour un coût total de 11 000 euros, 6 000 euros étant pris en charge par la CAPG et 5 000 euros pris en charge par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité PACA, DRETS PACA, dans le cadre de son appel à projet 1000 premiers jours de l'enfant, pour un montant de 6 000 euros. Je vous demande donc de bien pouvoir approuver cette action en faveur de nos très très jeunes enfants dans les crèches. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette délibération? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. La 236 est votée à l'unanimité. Nous passons à la 237 qui concerne le programme de droit commun, développement social des territoires et prévention 2021 avec l'attribution d'une subvention et signature de la convention d'objectifs et de financement avec l'association ARPEJ. Donc pour un montant de subvention de 20 000 euros pour l'association ARPEJ que vous connaissez, pour les accords solidaires au titre du volet cohésion sociale et dans le cadre de la mise en œuvre de l'action Espace Vie social itinérant, animation de la vie locale, promotion du mieux vivre ensemble, puisqu'il passe dans nos différentes communes. Est-ce que ça appelle des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. La 237 est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 238. Concerne l'aménagement avec la SPL Pays de Grâce Développement pour l'approbation des rapports de gestion et des mandataires sociaux 2020. Donc notre communauté d'agglomération doit se prononcer sur les rapports de gestion et de mandataires sociaux de la SPL Pays de Grâce Développement pour l'année 2020, dont est actionnaire et administrateur notre communauté d'agglomération. Et vous avez l'ensemble des opérations dans la délibération que vous avez dû lire. Est-ce que ça appelle des remarques particulières? Oui, Monsieur non. Le Président. Nous, on a voté contre au Conseil municipal de Grasse. On a expliqué pour. Donc, on vote contre. On ne va pas recommencer à expliquer ici nos raisons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que je puisse procéder au vote? Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, deux, Monsieur Eusière et Madame Coneza. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, donc cette délibération a été votée favorablement. Nous passons donc à la 239 pour l'eau et l'assainissement, donc la délégation du service public de l'assainissement de la commune de Pégoma pour l'avenant numéro 3. Les dispositions du contrat de DSP assainissement de la commune de Pégoma du 23 décembre 2010 nécessitent d'être mises à jour en raison notamment de l'évolution du patrimoine à fermer, des besoins en termes de connaissance des volumes d'eau parasites transitant, dans les canalisations ou des besoins de renouvellement des réseaux et de la stratégie d'utilisation du fonds développement durable. Est-ce que ça appelle des remarques? Il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. La délibération 239 est votée à l'unanimité. Nous passons à la 240 concernant toujours l'eau et l'assainissement, la convention cadre de mise à disposition des réseaux de transport secondaire d'eau potable et des réservoirs de stockage d'eau. Donc le syndicat mixte des eaux du Foulon, le CIEF, assure la production, le traitement et le transport d'eau potable depuis les sources du Foulon et des fontaniers jusqu'à l'entrée du réseau de distribution des communes membres via le réseau dit primaire. Afin d'adapter finement la production aux besoins et d'optimiser les achats d'eau extérieure, il est proposé que le CIEF puisse assurer l'exploitation et le renouvellement des réseaux secondaires et des réservoirs de stockage en liaison avec la CAPG, propriétaire de ces ouvrages et qui restera propriétaire. Cette délibération permettra de faciliter l'entretien de ce dit réseau secondaire. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je ne vois pas d'abstention. Cette délibération 240 est votée à l'unanimité. Nous passons donc à la 241 qui concerne donc la présentation des RPQS, donc les rapports sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, de l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Donc, comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales dispose
dispose que le président de la communauté d'agglomération présente à son assemblée chaque année le rapport sur le RPQS d'eau et assainissement des syndicats pour lequel il est adhérent. Donc notre conseil est amené à prendre connaissance de ces rapports pour l'exercice 2020. Donc il s'agit de trois rapports là, sur cette délibération, donc le CIEF, le SICASIL et la RECB, donc les rapports que nous ont été transmis. Est-ce que ça appelle des remarques particulières? C'est des prises d'actes. Hein. Donc nous prenons acte de cette délibération. Nous passons à la 242. J'allais dire même donc la 242 qui concerne le rapport d'activité 2020 du PNR des Préalpes d'Azur, du Scott West, des Alpes-Maritimes et du CITIAM. Donc la présentation des rapports d'activité 2020 des établissements publics de coopération intercommunale dont nous faisons partie. Donc il convient de prendre acte de ces rapports d'activité. Est-ce que ça appelle des remarques? Donc nous prenons acte de ces rapports et nous passons à la délibération 243 qui concerne la mutualisation des services, actualisation des conventions de mise à disposition du service commun du logiciel de l'instruction des autorisations d'urbanisme au bénéfice des communes ayant confié cette instruction à la communauté d'agglomération. Conformément à la loi Élan, notre agglomération a mis à jour son logiciel d'instruction afin de permettre la saisie et l'instruction par voie électronique des dossiers d'urbanisme pour toutes les communes dont elle a mutualisé l'instruction des autorisations d'urbanisme. Dans une démarche de simplification des procédures et pour une meilleure sécurité juridique, il vous est proposé de conclure de nouvelles conventions entre la CAPG et les communes concernées afin d'actualiser les modalités de ces services communs et d'y intégrer la mise à disposition du nouveau logiciel d'instruction, puisque donc en fait cette délibération donnera accès aux communes à ce fameux logiciel qui s'adapte aux nouvelles contraintes de démarche dématérialisée. Donc du coup, ces communes qui sont déjà conventionnées pourront bénéficier de l'accès à ce logiciel. Est-ce que ça appelle des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a pas de vote contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. La délibération suivante a le même objet, mais pour les communes qui ne sont pas dans la mutualisation, mais du fait que nous avons ce logiciel, plutôt qu'elles aillent s'acheter ou se financer un logiciel, nous proposons de mettre à disposition ce logiciel aux communes d'Amira, Colongue, Garce, Les Mujoules, Moissartou et Pégoma. Est-ce que ça appelle des remarques? Donc ça, c'est une bonne chose. Ça fait faire des économies. Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Pour la 244, voté à l'unanimité. Nous passons à la 245. Pour l'emploi insertion, pour une demande exceptionnelle de soutien pour le fonctionnement de l'association Montagne Abi, donc qui est un acteur économique d'économie sociale et solidaire en milieu rural et de montagne depuis 2004. Donc cette association anime un chantier d'insertion permettant à des personnes en situation de précarité, menteurs d'emploi ou de longue durée, et souvent bénéficiaires du RSA, d'avoir une perspective de retour vers l'emploi. On connaît tous Montagne Abi ici dans cette salle, et donc cette subvention exceptionnelle qui fait l'objet aussi d'un travail qu'ils avaient fait à l'époque pour la confection des masques, donc c'est et de 5 000 euros. Est-ce que ça appelle des remarques particulières? Il n'y a pas de remarques particulières. Par contre, les membres de Montagne Abi qui sont au CA ne prennent pas part au vote. Donc Gérard Bouchard, il y a aussi Marino. C'est tout. Je ne sais même pas si je suis membre moi, du CA. Je ne sais pas si je suis membre du CA. Ouais. Voilà. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. Voté à l'unanimité, la 245. Et nous passons à la 246. Le tableau des effectifs numéro 36, création, suppression et mise à jour d'emploi. Il vous est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des recrutements et des placement d'agents, des avancements de grade possibles, des réussites au concours et de la promotion interne, reconnaissance de la qualité de travail handicapé,
2021, la suppression de 41 postes suite à l'avis favorable du comité technique du 2 décembre 2021, la création de 11 postes et prévision de suppression de 7 postes au prochain tableau des effectifs après avis du comité technique. Donc il s'agit principalement, là, des changements, c'est de créer... donc nous avons le retour de notre ancien conservateur en chef des musées, donc M. Olivier Quicampoix qui revient, tant mieux. Donc on rouvre le poste et deux attachés, un pour le projet alimentaire territorial, donc qui est financé à hauteur de 50 000 euros et c'est un emploi sur 2 ans, hein, qui est limité. Et un attaché, c'est un avancement. Le reste, ce sont des avancements pour les postes qui sont créés. Si j'ai répondu à... Est-ce que vous avez des questionnements? Oui, oui, Paul. Alors, oui, il y a 2 emplois de cabinet. Là. Ah, a... où ça? Délibération, page 4. Donc, il y a 2 emplois de cabinet, un directeur de cabinet, un conseiller technique. J'aimerais savoir qui est... Alors là, directeur de cabinet et qui est conseiller technique? On n'en a pas, le directeur de cabinet. Emploi existant. Ah, il n'est pas pourvu. Le poste est ouvert, mais il n'est pas pourvu. Ah bon? On ne l'a pas fermé. En fait. Donc il n'y a personne au cabinet de, du... Il y a un conseiller technique qui est derrière moi. Le conseiller technique, c'est qui? C'est Jérémy. D'accord. Bon, merci. D'accord. Oui, c'était l'ancien poste de François Rennes, le poste de directeur technique, mais il n'a jamais été... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y a pas d'autres remarques. Je peux procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. La 246 a été votée à l'unanimité. Nous passons donc à la délibération 247. L'instauration du télétravail à compter du 1er janvier 2022. Donc le télétravail s'est développé dans la fonction publique particulièrement au cours des 5 dernières années. Donc l'année 2020, marquée par la crise sanitaire, est venue bouleverser ce cadre en imposant aux agents dont les activités le rendaient possible la mise en œuvre en urgence du télétravail. L'accord signé le 13 juillet 2021 entre le ministre de la Transformation et de la Fonction publique et les organisations syndicales prévoit que les employeurs publics doivent engager des négociations avant le 31 décembre 2021, donc de cette année, c'est ce que nous avons fait, pour la mise en œuvre du télétravail. Notre agglomération a entamé des négociations qui ont été engagées en 2021 et qui ont permis de parvenir à un projet qui vous est soumis. Donc ce projet a été bien débattu et la durée du télétravail qui a été proposée, parce que c'est ce qui revient, le point assez important, hein, en dehors de tout ce que nous devons mettre à disposition des télétravailleurs, c'est d'appliquer pour le moment 1 jour de télétravail par semaine avec la possibilité, avec une année de référence pour vérifier si le fonctionnement, voilà, si ça se passe bien et de peut-être faire un bilan de ce qui se passe pour avancer sur ce règlement. Vous ne voyez pas de remarques particulières? De toute façon, là, ça nous est imposé. On n'a même pas besoin de règlement. Bim, tout le monde à la maison. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. La 247 est votée à l'unanimité. Nous passons à la 248. Pour la mise à jour du protocole d'aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2022, cette mise à jour du protocole d'aménagement du temps de travail résulte de l'obligation faite aux collectivités de se mettre en conformité avec les obligations prévues dans la loi de 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il s'en rappelle à Marseille, c'est un peu plus compliqué. L'article 47 vient harmoniser la durée du temps de travail de l'ensemble des agents de la fonction publique en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail de 1607 heures par an. Les négociations ont été engagées au 4e trimestre 2021 avec les représentants du personnel et ont permis de parvenir à un projet qui vous est soumis.
Voilà, il n'y a plus de jours exceptionnels puisqu'il y en avait 4 qui existaient. Et en contrepartie, les agents qui souhaitent travailler une heure de plus par semaine pourront obtenir 6 jours de RTT. Donc voilà, c'est un bel accord. En tout cas, je tiens à remercier les instances syndicales et les services parce qu'il y a toujours un travail de préparation qui est fait avant de venir en comité technique et c'est vraiment très agréable. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? S'il n'y a pas de remarques particulières, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc la 248 est votée à l'unanimité. Nous passons donc à la 249 pour la mutualisation de la convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce au club des entrepreneurs du Pays de Grâce. Donc là, c'est un renouvellement que nous faisons. Avec la mise en place d'une convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce au club des entrepreneurs du Pays de Grâce pour la réalisation des missions de chargé de développement local à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Est-ce que ça appelle des remarques ? Il n'y a pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 2 abstentions, M. Hussière et Mme Conessa. Nous passons à la 250 qui concerne la mutualisation, pareil, une convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération à initiative Terre d'Azur. Donc la mise en place de cette convention de mise à disposition d'un agent de la CAPG à initiative Terre d'Azur pour la réalisation des missions d'agent d'accueil et d'assistant administratif à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Est-ce que ça appelle des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Il n'y a pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 2 abstentions, M. Hussière et Mme Conesa. Nous passons à la 251. Un renouvellement aussi qui concerne la mise en place d'une convention de mise à disposition de 3 agents de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce à l'Office du tourisme du Pays de Grâce pour la réalisation des missions de conseil en séjour, d'assistance administrative en direction d'employés polyvalents et de relations presse à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Donc on est plusieurs à ne pas participer au vote. Christian Zédé, il me semble, ne participe pas au vote pour l'Office du tourisme. Moi-même, est-ce qu'il y a une autre personne ? Philippe Sainte-Rose. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstentions. Voté à l'unanimité la 251. Et moi-même. Nous passons à la 252 qui concerne donc la mise en place d'une convention de mise à disposition de 2 agents de la communauté d'agglomération au centre de développement culturel du Pays de Grâce pour la réalisation des missions de comptabilité à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans et des missions de direct adjointe à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 3 ans. Ne prend pas part au vote Dominique Bourré. Oui, pardon. Exact. Est-ce qu'il y a des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je ne vois pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention. Nous passons à la délibération suivante qui concerne donc mutualisation, convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération à l'ASPL de Grâce Développement, afin de réaliser des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, recherche et financement, montage et suivi des dossiers de demande auprès des financeurs pour les projets portés par l'ASPL à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de 12 mois, conformément à la réglementation en vigueur, l'ASPL remboursera la quote-part de salaire à la communauté d'agglomération. Donc il s'agit de M. Xavier Malanger qui fait ce travail déjà pour la communauté d'agglomération et qui sera en charge d'en faire une part pour la SPL. Donc, c'est une mutualisation. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc la 253 est votée à l'unanimité. Nous passons à la 254 qui concerne donc le recrutement d'un ou d'une chef de projet alimentaire territorial pour un contrat à durée déterminée de 2 ans, pour lequel nous avons une aide de l'État, un cofinancement de l'État à hauteur de 50 000 euros pour les 2 exercices. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 2 abstentions.
c'est pour le PAT, ça. En fait, c'est le poste qu'on Est-ce a ouvert. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus parce que, Oui, en fait c'est, ça, c'est le poste qu'on a ouvert d'attaché pour... dans le cadre, on a été labellisé projet alimentaire territorial. Et pour ce faire, l'État nous finance 50 000 euros pour l'embauche de ce chargé de mission, en fait. Mais le projet alimentaire et territorial, c'est quoi ? Alors, le projet alimentaire territorial, c'est la personne qui va travailler auprès de Gabriel Bouillon sur l'ensemble des travaux que nous faisons au niveau de l'alimentation pour les cantines scolaires, pour lutter contre le gaspillage. Mais elles ont des statuts différents, les cantines scolaires. Il y en a qui sont en régie, il y en a qui sont en DSP. Alors, quand je dis cantine et donc, comment ça se passe ? En fait, quand je dis cantine scolaire, c'est-à-dire que, par exemple, on a la compétence jeunesse sur une partie du territoire. Déjà, les animateurs du centre de loisirs font des travaux, aident généralement à la lutte contre le gaspillage. Donc, ça va être des travaux dans ce sens, c'est de voir sur notre territoire qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'ouverture à l'agriculture pour l'alimentation de proximité. C'est des travaux dans ce sens-là. Parce que, vu la mosaïque de statuts juridiques différents, on peut se demander... Pardon, Paul. Non, mais c'est pas grave. Mais non, vu la différence de statut qu'il y a entre... On peut se demander comment ça, il va s'articuler, elle va s'articuler. En fait, c'est un emploi qui va être un peu plus rattaché à Gabriel Bouillon, qui est notre chargé de mission au niveau de l'agriculture. Donc c'est un travail, donc ça va être un agent qui va être à ses côtés justement pour voir qu'est-ce qu'il y a, voilà, s'il y a des terrains qui vont être sur lesquels on va pouvoir réouvrir de l'agriculture, notamment pour remettre des produits. Alors je parlais des cantines scolaires parce que c'était un des objectifs que nous avions fixé sur Saint-Vallier par exemple dans le cadre de notre PAT, parce qu'on l'a eu aussi à la commune de Moinsertou aussi, qui est un projet alimentaire territorial, et la communauté d'agglomération a candidaté auprès des services de l'État, justement, pour avoir une vision un peu plus territoriale. Et cette personne va intervenir, par exemple, aussi bien à Moinsertou qu'à Saint-Vallier ou qu'à Grasse. Ah oui, elle peut se rapprocher. Partout. En fait, elle va pas. Quels que soient les statuts. En fait, elle va pas intervenir. En fait, c'est un travail qui va. Cette personne, elle va travailler pour nous aider dans le cadre de l'alimentation au niveau de notre territoire. De faire un inventaire, alors ça va être Gabriel Bouillon qui va la charger sur ces travaux-là, mais par exemple, je sais que sur une partie du territoire, il y a des interrogations concernant les cantines scolaires sur les communes du Tigné, Saint-Césaire, Spéracède et Cabris. Cette personne va pouvoir travailler sur l'installation d'une cantine pour ces communes, de quelle manière, comment se doter, se dire, voilà, sur le territoire, est-ce qu'il y a des espaces naturels on pourra exploiter dans le cadre de l'agriculture pour pouvoir fournir certaines cantines scolaires. C'est vraiment d'avoir une vision un peu plus, j'allais dire, éloignée, voilà, c'est-à-dire une projection sur l'ensemble du territoire, sur se poser la question sur notre alimentation. Comment nous allons pouvoir développer une production locale pour l'alimentation et en même temps travailler aussi sur le gaspillage, sur le développement durable, sur le gaspillage, je l'ai déjà dit, mais sur le tri, sur le compostage, voilà, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. On y voit un peu plus clair. Maintenant, on a 50 000 euros, ça représente quoi par rapport aux deux années ? Ah ben, ça fait 25 000 euros par an sur un poste qui va être à combien en brut ? 80%. On va financer 80% du poste. Et il faut savoir que le projet, si on a été retenu, c'est que le projet a été validé par les services de l'État. Donc ça tient la route. Et après, il n'y a pas d'obligation de pérenniser le poste. Non. En fait, on a monté un projet, on l'a présenté, on a été retenu, et les services de l'État ont dit, OK, votre projet nous intéresse, on finance votre... Quand c'est un chargé de mission, 2 ans. Exactement. Et à 80%, pris en charge pour 80%. On peut toujours y aller. Et le projet, ce n'est pas de faire la cantine à la place des communes. Les communes restent... Communes restent bien autonomes. Mais c'est plutôt des conseils pour avancer dans ce domaine-là. De nous accompagner. Voilà, et de se servir des expériences qui sont déjà là c'est depuis ce qu'on un fait moment, déjà comme avec celle de Moinsertou et toutes celles qui commencent aussi à émerger. C'est plutôt se servir de tous ces outils pour aller plus vite et un peu plus loin. En fait, c'est une mission d'assistance aux communes. Oui, c'est ça. Tout simplement. Bon, je peux reprocéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, cette délibération est votée à l'unanimité, la 254. Nous passons à la 255 pour le recrutement d'une assistante sociale pour les services logement, contrat durée déterminée de 3 ans. Un appel à candidature a été ouvert pour le recrutement d'une assistante sociale ou d'un assistant social pour le service logement au sein de la DGA aménagement et cadre de vie. À l'issue de cet appel, aucune candidature d'agent titulaire n'a pu être retenue. Il convient donc d'établir un contrat à durée déterminée de 3 ans à partir du 13 janvier 2022. Cette délibération ne modifie pas le tableau des effectifs. Donc, ce sera un contractuel qu'on va recruter. On a des difficultés, mais ça, on le sait tous. Pourquoi c'est un contractuel et pas un poste ouvert? Parce que là, pour le coup, c'est une... Non, c'est un poste ouvert. C'est un poste ouvert, mais le fonctionnaire, on ne l'a pas... Ah bon, est ouvert. Ah, le poste est ouvert et on a réussi à trouver personne. Donc du coup, on l'ouvre au contractuel. C'est compliqué. Hein. Les assistantes sociales, c'est denrées rares. C'est un gros problème d'ailleurs. Est-ce qu'on peut procéder au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y a pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je ne vois pas d'abstention. Donc la 255 a été votée à l'unanimité. On passe à la 256 pour un appel à candidature qui a été ouvert pour le recrutement d'un chargé ou d'une chargée d'opération de travaux réseau pour le service eau et assainissement au sein de la DGA Aménagement et Cadre de Vie. À l'issue de cet appel, aucune candidature d'agent titulaire n'a pu être retenue. C'est la même délibération. Il convient donc d'établir un contrat à durée déterminée de 3 ans à partir du 1er février 2022. Cette délibération ne modifie pas le tableau des effectifs. Ça va, je ne vais pas trop vite. Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. On passe à la 257, puisque la 256 a été votée à l'unanimité. Et nous passons au recrutement. Donc un appel à candidature. Donc ça, c'est un poste, si on renouvelle. Hein. Un appel à candidature a été ouvert pour le recrutement d'un chargé de mission pour le développement de l'enseignement supérieur au sein de la DGA, moyens généraux, économie, emploi, innovation, cadre de vie, solidarité. À l'issue de cet appel, aucune candidature d'agent titulaire n'a pu être retenue. Il convient donc d'établir un contrat à durée déterminée de 3 ans à partir du 1er janvier 2022. Cette délibération ne modifie pas le tableau des effectifs. Est-ce que ça appelle des remarques? Pas de remarques particulières. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne donc les déplacements et transports, la 258. Et je cède la parole à notre vice-président Claude Serra. Oui, monsieur le président, mes chers collègues, merci. Donc il s'agit tout simplement de prendre acte et d'autoriser notre président à signer une convention relative à l'organisation des transports entre la région PACA et notre communauté d'agglomération. En fait, c'est une simple opération administrative qui consiste à prendre acte du transfert de compétences qui est intervenu dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, qui transfère donc les compétences des conseils départementaux aux conseils régionaux. Donc nous restons dans ce même cadre d'optimisation de l'articulation des transports entre ceux qui relèvent de notre régie de transport collectif sillage et les compétences nouvellement dévolues au Conseil régional. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne vois pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. La 258 est votée à l'unanimité. Et nous passons à la 259 et je recède la parole à notre vice-président Claude Serra pour cette délibération. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais vous parler très rapidement de la ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur, la NPCA. Donc il s'agit, il vous est proposé d'approuver la signature du protocole d'intention relatif au financement de la ligne Nouvelle et tout simplement d'acter ce qui est relativement une bonne nouvelle pour nous, d'acter donc le retour dans le financement de l'opération de la CASA, qui prend donc sa part entière à hauteur de 17,57 millions, et ce qui nous permet de ramener notre quote-part
de 4 millions 55 initialement prévu à 4 millions 44. Est entendu tout de même que nous et notre président a déjà élaboré une démarche en ce sens auprès du conseil du président du conseil régional. Nous faisons tout de même part de notre vigilance quant à ce financement et eu égard à notre situation financière, bien évidemment, et nous appelons de nos voeux une participation accrue de la part des deux grandes collectivités que sont l'État et le Conseil régional. Merci, Monsieur le Vice-président. Paul. Oui, alors, merci de me donner la parole. Alors, moi, j'ai le souvenir, pas très ancien, d'une réunion du Conseil communautaire où on était tous, à peu près, et où on nous avait dit on va financer des études. Mais après, on verra pour les travaux, etc., etc. Et puis là, coucou, nous revoilà avec la délibération. Quelle bonne nouvelle ! Vous avez vu ? Alors, j'admire l'art de notre vice-président chargé de la commission des transports qui nous dit... Une bonne nouvelle, regardez la bonne nouvelle. On a intégré ce qui n'était pas prévu dans la version protocole validée en avril 2021. On a intégré la CASA. Alléluia, c'est bien. Oui, mais descendons un peu plus bas, considérant que la quotité due par la communauté d'agglomération du Pays de Grasse est de 0,32%. Anodin, soit 4 440 000 euros. Excusez, mais c'est là de bonnes nouvelles. C'est l'art de présenter les choses, seulement on sait lire aussi. Donc, par cette délibération, on met le doigt dans un engrenage dont on nous avait dit que c'était quelque chose à un horizon lointain, hein, et qu'on verrait bien. Moi, ce que je trouve, et je répète ce que j'ai dit en commission des finances, c'est que les communautés d'agglomération ne devraient pas être partie prenante de ce financement. Pour une raison très simple. Ou c'est le département et la région, ce qui est un tout, mais il n'y a pas de raison à ce qu'une commune, je prends, j'ai rien contre elle, au contraire, mais Garces ou Saint-Auban, est-ce qualité en tant que membre de la communauté d'agglomération ou que Courcegoule pour la CASA finance la ligne. Il finance déjà au titre de contribuables régionaux et de contribuables départementaux. Pourquoi on est encore obligé d'intégrer les communautés d'agglomération dans ce financement? Je trouve que la part des départements devrait être majorée parce que ça concerne tous les départements et pas les communautés d'agglomération. Ça concerne les départements et les villes directement impactées, mais pas la communauté Saint-Auban, Salagriffon ou Saint-Vallier même, ne sont pas directement impactées. Elles le sont départementalement, comme tout un chacun. Et en l'occurrence, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, elle se prend une facture de 4 440 000. Alors certes, il y en a qui payent plus que nous. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui payent plus que nous que c'est logique que nous payons. Voilà. Donc je voterai et nous voterons, nous, contre cette décision qui est le doigt dans un engrenage dont on nous avait dit que c'était quelque chose vraiment à ne pas envisager et qu'on verrait, etc. En tout cas, félicitations pour la présentation de notre préfet, sous-préfet et président de commission qui a l'art de présenter, bien ficeler les choses. Voilà. Monsieur le vice-président. Mon cher collègue, permettez-moi d'abord de vous remercier pour ces propos admiratifs à mon égard. Ça me touche beaucoup, n'est-ce pas ? Je voudrais simplement rappeler que nous sommes là D'abord, il s'agit tout simplement, dans un premier temps, il faut tout de même lire les choses avec attention, il s'agit pour l'instant d'un protocole d'intention relatif au financement. Il ne s'agit pas pour l'instant du vote de crédit. C'est le premier point. Le deuxième point, comme vous pouvez le constater dans le tableau qui est présenté dans la délibération, l'ensemble des partenaires concernés financent. Et je ne vois pas pourquoi la communauté d'agglomération du Pays de Grasse pourrait se soustraire à cette obligation, alors même que vous citez, mon cher collègue, Salagriffon, Saint-Auban, Briançonnet, tout ce que l'on veut,
Tout ça est bien intéressant, mais c'est oublier tout de même une vérité première, c'est que nous avons un certain nombre de personnes qui se déplacent en dehors du territoire du pays de Grasse. Nous avons des étudiants, peut-être, de Salagriffon ou du Briançonnais ou du Saint-Auban, qui se rendent au CHU de Nice ou qui se rendent à l'université de Nice et qui, grâce au réseau SIAGE, se retrouvent à la gare de Grasse et peuvent ainsi emprunter la voie ferrée Cannes-Grasse, qui elle-même va faire l'objet de travaux. Et les deux choses sont liées. Si nous sommes présents dans le financement, nous pourrons aussi peser sur les travaux de modernisation de l'axe Cannes-Grasse. Voilà, c'est un tout. Pardonnez-moi, mais je suis direct. Non, mais ce n'est pas l'objet de la délibération du tout. L'objet de la délibération, c'est la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Et signature du protocole d'intention relatif au financement. Alors certes, c'est un protocole d'intention, mais considérant que l'échéancier prévisionnel de financement des phases 1 et 2 s'étale de 2022 à 2035, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans le financement. Moi, je dis que je suis contre le principe de ce financement par les communautés d'agglomération. Donc c'est une position que j'ai déjà évoqué en commission des finances, et je suis contre, c'est tout. Voilà. Après, oui, l'étudiant de Salagriffon, des Mujoules, de Briançonnais utilisera les transports locaux, comme tout habitant du département des Alpes-Maritimes. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on parle de très, très gros projets, de projets du futur. Hein. C'est vrai que nous prenons des décisions aujourd'hui pour des générations futures. C'est vrai que c'est toujours délicat. On parle d'un projet à plus d'1,3 milliard. Et là, on parle, si on ramène les 1,3 milliard par rapport à ce que nous engageons, 4,4 millions, j'ai dire, c'est notre part qui va nous permettre d'être aussi autour de la table des négociations. Parce que lorsqu'on part sur des travaux comme ça, il peut aussi y avoir des points de rupture. Voilà, si on n'est pas autour de la table, ben, les choses, elles se font, entre guillemets, sans nous. Ces gros projets, ils nous dépassent un peu, Paul. Moi, je le dis franchement, parce que c'est vrai que la téléportation pour les touristes, ça n'existera pas. À un moment donné, il va bien falloir que les gens se déplacent. On a de grosses difficultés. Et si maintenant, en amont, on ne se positionne pas sur des projets aussi gros, c'est vrai que lorsqu'on porte un projet comme ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas le faire que de le faire. Parce que dès qu'on fait des projets de cette dimension, de cette taille, au niveau régional, on est confronté à toutes sortes d'oppositions, et ce qui est tout à fait normal. Moi, ce que je trouve bien dans cet engagement, c'est que justement, en mettant que chacun mette un peu, on est tous autour de la table et on porte tous le même projet pour notre région. On ne fait pas sans nous. Et c'est vrai qu'au niveau des moyens financiers, on l'a dit, c'est 4,4 millions, c'est pas anodin pour notre communauté, on le sait. On a alerté le président Renaud Muselier dans ce cadre-là. Il faut savoir qu'aussi la région fait preuve de solidarité en nous finançant à plus de 9 millions d'euros à travers un CRET. Donc, quelque part, à un moment donné, il y a un engagement de la région en termes de solidarité. Et là, on est dans un cadre aussi solidaire de financement pour un projet régional. Voilà moi ce que j'avais à dire. On parle d'intention et c'est bien qu'on soit autour de la table et qu'on ne nous happe pas. Parce que c'est vrai que lorsque c'est que quelques villes qui vont payer ou les agglos, etc., à un moment donné, ben, s'il faut qu'on prenne le train à Moinsartou et qu'il faut qu'on change tout de suite à la Boca, ça ne va pas le faire. Donc on ne peut pas non plus ne pas être autour de la table. Et là, c'est une manière de se remettre autour de la table, d'être vraiment partie prenante autour de ce projet, qui est un projet que nos enfants et petits-enfants se diront, ben, heureusement qu'ils ont fait ce travail-là, parce qu'on souffre de ce qui n'a pas été fait avant. Actuellement, nous, on est en souffrance au niveau des transports dans notre département. Donc si on ne met pas, je veux dire, l'accélérateur sur ce type de projet, ça va être très compliqué. Et en tout cas, moi, je me trouve au bon endroit, au bon moment pour les générations futures. Et je ne veux pas faire donc ce qui a été fait dans le passé, peut-être. Ce n'est pas de leur faute non plus, parce que c'est très compliqué, parce que ce sont des gros financements. Mais il faut qu'on arrive à porter des projets pour les générations à venir. Voilà ma position. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on puisse passer au vote de cette délibération ? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Deux votes contre, M. Heuzière et Mme Colesa. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention et nous avons voté cette délibération 259 et nous passons. Alors, je crois que c'est la dernière délibération, la 260.
pour le transfert de compétences eau et assainissement, régie des eaux du canal Beltrude. Donc un gros travail qui a été fait pour le canal Beltrude, par les services du canal Beltrude et nos propres services. Donc notre comité d'agglomération est devenu compétent en matière d'eau et d'assainissement depuis le 1er janvier 2020, vous vous en rappelez. En application de la loi Engagement et Proximité, le syndicat des eaux du canal Beltrude a été maintenu. Le syndicat a confié la gestion de la compétence eau et assainissement à une régie à personnalité morale et d'autonomie financière, la régie des eaux du canal Beltrude. La communauté d'agglomération a délégué par convention la gestion des compétences eau et assainissement collectif et non collectif des eaux usées au syndicat des eaux du canal Beltrude sur son territoire. Ce schéma d'organisation, bien que prévu par la loi, s'avère dans les faits très difficile à mettre en œuvre, notamment pour la gestion de l'actif, du passif et des opérations financières. Il vous est donc proposé de revenir au schéma envisagé avant la loi Engagement et Proximité, à savoir le rattachement direct de la régie des eaux du canal Beltrude à la communauté d'agglomération et de mettre fin, dès que ce rattachement sera effectif, au plus tard le 31 décembre 2022, à la convention de délégation de la CAPG qui se substituera à la RECB. Donc en fait, on revient à la situation qu'on avait préparée fin 2019 pour passer, pour que la régie se crée le 1er janvier 2020 au sein de notre communauté d'agglomération. Mais comme il y a eu une loi, c'est le 27 décembre, qui permettait aux syndicats de se maintenir avec une convention entre... Hein, c'est ça ? Oui, en plus, oui, ça, hein, on était obligé de maintenir le syndicat et de passer par une convention de gestion au syndicat. Et là, maintenant, alors, les services de l'État, entre les actifs, les passifs, on est arrivé à ce que le trésorier ne payait plus rien au niveau de la régie des eaux. Hein, pour ceux qui siègent, ça a été un gros problème. Donc là, on s'est revu avec les services de l'État, avec la DGFiP, la trésorerie, la sous-préfète et l'ensemble de ses services. Et le président, les deux présidents, donc Jérôme Viau et Pierre Bornet. Et il a été décidé, c'est pour ça que cette délibération est sur table, de créer donc la régie sur directement la communauté d'agglomération du Pays de Grâce à compter du 1er janvier 2021. Est-ce que j'ai été clair ? Si j'ai été clair, nous allons pouvoir procéder au vote. Il n'y a pas de remarques ? Parce que j'ai été clair. Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Il n'y a pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention, mais je n'ai pas fini. Donc vote à l'unanimité de la 260. Je voulais juste, je vous informe que le rapport social unique RSU a été présenté au comité technique du 16 septembre 2021 et a fait l'objet d'un avis favorable. Ce rapport présente des statistiques relatives aux effectifs de la communauté d'agglomération. Il a été joint aux convocations de ce conseil. N'hésitez pas à prendre contact avec la direction des ressources humaines si vous avez des questions à ce sujet. Et si vous n'avez pas de questions, directement, à moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avant de clôturer ce conseil communautaire. Et merci encore pour tout le travail que vous faites au sein de ce conseil tout au long de l'année. Et c'est, comme je préside, l'occasion pour moi aussi de remercier l'ensemble des services qui m'ont accompagné dans cette présidence. Et vous remercier et passer d'agréables fêtes en famille et entre amis. Et attention quand même au Covid, qui peut s'inviter à la fête. Merci beaucoup et passez une agréable soirée.